Salut à tous, c'est Zonzon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait quand même 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon parc, 7 mois après sa création. Je dois vous raconter tout ce qui s'est passé dans ces 2 mois. Il y a énormément de trucs qui s'est passé déjà. Donc, je vais tout vous raconter. Là, je suis encore dans mon parc. Je vais tout vous expliquer et il y aura aussi un montage en fin de vidéo. Bon bref, alors déjà voilà le parc qui a bien changé tout ça. Alors j'ai remis un épouvantail déjà ici, voilà, juste là. Là j'avais créé un petit truc, donc voilà. Sinon je vais vous expliquer un peu, alors attendez, on va quand même aller vite fait dans le parc. Alors voilà, bah là ici ça n'a pas trop changé, donc voilà. Ici non plus la forêt, bon même si j'avais coupé. Alors normalement il y a ma poule qui est là, je sais pas trop où aller. Bon bref, allez là-bas. Voilà, c'est la beauté qui avait déjà fait une couvée. Donc nous, on va faire la conclusion de toutes nos couvées aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, on s'était arrêté sur ce que Fritz avait couvé. Je vais vous dire qu'elle devait éclore le 2 juillet, voilà. Elle a éclos bien le 2 juillet. Elle a eu 9 bébés. Voilà, c'est très bien. Bon, fécondateur kiwi, comme d'hab qui est là. Elle a eu 9 bébés, ce qui est très bien. On s'était aussi arrêté où il y avait Jaja dans le parc. Alors Jaja, j'avais laissé ses œufs, je vous avais dit que j'allais les retirer. J'y ai retiré. J'ai oublié d'y retirer justement. Et elle s'est mise à couver. Bon, je vous la présenterai avec ses bébés. Voilà, même si ses bébés ont énormément grandi. Elle a éclos le 20 juillet et elle a eu 7 bébés avec Kiwi. Donc... on a eu donc 8 couvées cette année. 8 couvées pour à peu près, je vais calculer. Bon, bien, je ferai le calcul en fin de vidéo. Donc voilà, c'est quand même énorme. Donc, voilà, c'est comme ça, 8 couvées, c'est vraiment ça. Attends, avant de reprendre la vidéo, t'as mis ton pouce bleu? Tu t'es abonné? Vas-y, fais-le, on reprend. Allez, mets-le. Voilà, c'est bon, là, ils sont pour prendre. C'est suffisant et très bien. Donc sinon mon parc il a pas trop bougé, bon la gamelle d'eau est passée là-bas, bon il y a toujours ça. Alors oui, il y a une nouvelle poule, la beauté, qui a fait une couvée du coup. La beauté, elle a fait une couvée, elle avait, comme je vous l'avais dit, elle avait eu 9 bébés si vous en souvenez, bon oui vous vous en souvenez. Voilà, et du coup je l'ai mis dans ce parc là, ça fait 5 jours qu'elle y est, et elle a pondu qu'un œuf. Donc là c'est un... What? Donc là c'est la fin de saison. Donc c'est normal qu'ils pondent plus trop. Bon, c'est normal. Voilà. Je sais pas pourquoi à Kodak, là c'est un peu bizarre. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse. Je vais revenir. Voilà. Je suis de retour quoi sur YouTube. Voilà. Mais quand même, regardez ce parc. Regardez ce parc. Ça va faire 7 mois que j'ai créé ce parc. Enfin 7 mois que je fais des vidéos dessus et... quand même ça a pas mal changé, déjà le coq, la poule, ça change quasiment tous les 20 jours en fait, je change de poule là-dedans quasiment. Pour voilà, je sais pas, en ce moment voilà c'est comme ça. Donc voilà, hein, ce parc. Ah oui, j'avais vu aussi, je sais pas si on va les voir, là-haut dans cet arbre. Non, je pense pas que vous voyez, je pense que vous voyez mal. Mais là, juste là, il y a un nid et il y avait des bébés hirondelles ou des bébés je sais pas quoi. Donc voilà. Sinon les pies, ça va. Les pies pour l'instant, ils ont pas revenu faire chier. Depuis que j'ai ça. Donc ça va. J'ai mis aussi un deuxième épouvantail ici. Car j'avais une poule qui pondait aussi ici. Donc voilà. Bon, c'est déjà bien. On se retrouve tout de suite, juste après, pour la partie bilan des couvées de l'année 2020. Donc re les gens, alors voilà le bilan de cette année 2020. Alors comme vous avez vu, il y a Roussette qui avait fait une première couvée. Elle avait eu 2 poussins et on avait acheté 8, si vous en souvenez bien, 8 de Gamvert, magasin de l'arnaque que j'avais fait. Après on avait eu Cerise comme deuxième couvée de l'année 2020. Elle avait fait une couvée, elle avait eu un poussin comme je vous l'avais dit, elle avait eu Petit Lait. Ensuite La Beauté, elle avait fait une couvée en début de saison aussi, elle aussi. Elle avait eu 9 poussins, comme je vous l'avais dit. Nuage, elle avait fait une couvée, elle avait eu 11 poussins.
Jaja, du coup, Jaja, elle avait fait une couvée juste après celle de nuage. Elle avait eu 12 poussins. Puis là, la dernière, la huitième et dernière couvée, elle en a eu 7. Donc, c'est la seule qui a fait deux couvées cette année. C'est très bien. Bon, bah, c'est bien pour elle. Ensuite, on a Coco. Elle a fait une couvée. Elle a eu 9 poussins. Et enfin, en septième, il y a eu Frite qui a fait une couvée et qui, elle aussi, a eu 9 poussins. Alors, Coco, elle en avait eu 10, mais il y en a eu un de mort. Et pareil pour Frite, elle en avait eu 10, mais elle en avait eu un de mort. Donc, bah, voilà la conclusion. Si on fait le calcul, on va calculer ensemble. Ça fait 2 poussins pour Roussette. Ensuite, 1, ça fait 3. 3, ça fait 12. 12, 23, 23, 35, 42, 42, merde. Merde, je me suis planté. 42, 51, 60. Plus 8, on a acheté. Ça fait exactement 68 poussins en tout, normalement. Donc, c'est très bien. Cette année, on a réussi vraiment à bien reproduire. Voilà, le bilan. Voilà notre bilan de cette année. C'est très bien. Du coup, bah voilà. Hein. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà le petit bilan. On se retrouve samedi prochain, le 29, pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, c'est la vache de tonjon.